Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, épisode 2 des épisodes où je vous présente des écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, on part à Écamelion, en plein centre-ville. Cette vidéo contient donc la présentation de l'école, la présentation des filières, la présentation de la prépa intégrée et la présentation du campus. Dans une seconde vidéo, je vais pouvoir vous diffuser deux interviews que j'ai réalisées avec à chaque fois deux élèves de l'ECAM, de filières différentes et d'années différentes. Je me suis vraiment éclaté à les faire, j'espère que ça vous plaira. Je vous présente Samantha, Community Manager à Écamelion. C'est elle qui nous a accompagnés pour la visite et qui m'a fourni toutes les informations sur l'école. Voici les liens de ses réseaux sociaux. L'ECAM est donc une école d'ingénieurs généraliste. Le recrutement pour la filière ECAM Engineering, entièrement en anglais sur 5 ans, et la filière Arts et Métiers, se fait sur Parcoursup. Mais ça, Maud, la chargée des admissions, vous le dira bien mieux que moi. Bonjour Maud. Bonjour. Donc vous êtes chargée du recrutement pour l'ECAM ? Oui, c'est ça. Et du coup, j'avais quelques questions à vous poser dans le cadre de cette vidéo. Quels sont les étudiants qui sont susceptibles d'intégrer l'ECAM ? On a deux types de recrutement, les recrutements post-bac et les recrutements bac plus 2. Donc quand on fait un recrutement post-bac, pour la formation arts et métiers engineering et notre cycle préparatoire filière Asie, il faut être titulaire d'un bac S. D'accord. Et cette année, on a ouvert un cycle préparatoire pour les STI2D. Et donc du coup, là, il faut avoir le bac STI2D. Est-ce qu'il y a une moyenne à peu près exigible ? On ne parle pas de moyenne, c'est-à-dire qu'il faut être à peu près dans le premier tiers de la classe. Mais on ne va pas regarder que les notes, on regarde aussi beaucoup tout ce qui touche aux appréciations. Est-ce que aussi, entre deux élèves qui auront le même niveau dans un même lycée, est-ce que vous allez plus recruter sur des spé maths, sur des spé physiques ? Toutes les matières, je dirais, sont importantes pour le bac actuel. D'accord. Pour la réforme. Et la réforme qui arrive. Voilà, la réforme qui arrive. Du coup, forcément, il faudra que le jeune ait la spécialité maths. Bien sûr. Ça sera obligatoire. Et sinon, en deuxième spécialité, il faudra que ce soit maths ou sciences de l'ingénieur. Je vais vous proposer de retrouver le reste de cette interview sur la deuxième vidéo. Et avant de commencer à vous présenter un petit peu l'école et les différents plans que j'ai pu prendre de cette école, je voulais vous donner quelques chiffres. Il faut savoir que quand tu entres à l'ECAM, 56% des étudiants qui sortent de l'école trouvent un boulot avant même de terminer leur cinquième année. 28% partent directement à l'étranger. La moyenne nationale étant de 15%, ça fait une très très bonne moyenne pour l'ECAM. En moyenne, les étudiants prennent 2 à 4 mois pour trouver un emploi juste après en sortie d'école, s'ils n'en ont pas trouvé un, bien sûr, avant la fin de leur cinquième année. Et en gros, 99% des élèves trouvent un emploi avant 4 mois après la fin de la cinquième année. Et maintenant, sympathique compilation de toute la visite. Bon visionnage.
Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Merci à l'ECAM pour son invitation et n'hésitez pas, si vous êtes une école d'ingénieurs, à m'envoyer un mail, voilà, je compte continuer cette série. Sinon, pour tout le monde, je vous souhaite d'excellentes vacances, d'excellentes périodes de révision. La fin de l'année commence à montrer le bout de son nez, donc c'est le moment de tout envoyer, c'est le moment de ne rien regretter surtout. Je vous souhaite le meilleur et je vous envoie plein de courage. Ciao.